Je m'appelle Léa, bienvenue sur infogarage.fr. The summer's calling. Bonjour à tous nos auditeurs et auditrices que nous écoutons infogarage.fr. Aujourd'hui, on est avec les joueurs de Saint-Jean-de-Léz. On a décidé de les mettre à l'honneur, qui jouent en fédération. Breathe in the air, the light that surrounds me. If we hold ourselves together, we'll go far. Created a space, in my head it was empty. But I know that I want to be where you are. I was denied. I had spent those years, did not recognize the person that's inside. Ce match aujourd'hui contre Dax. C'était un gros match, hein. Très solide. Et voilà, mon domicile, il faut qu'on gagne absolument. Donc, peu importe le score, il faut gagner le match, il faut gagner. Vous avez bien commencé la saison, deux matchs, une défaite, je crois. Vous avez pris le bonus défensif. Là, vous êtes sur un bon joueur. Oui, non, après, on a fait un bon petit début de saison. Après, on gagne tous les matchs à réception, ça nous fait du bien, nous fait du bien. Après, réception de Marmande, on gagne, mais très frustré du match, parce que je pense qu'on n'a pas mis vraiment notre vrai jeu en place, et du coup, on a souffert un peu, devant, en fait. Et voilà, et après, à Niort, un match. C'est compliqué, difficile, qu'il a été. Voilà, on ramène des défauts bien possibles, donc c'est quand même plutôt pas plutôt une bonne chose. Mais voilà, on a encore beaucoup de progrès à faire. Et voilà, ça peut être que du plus pour la suite. Quoi. Est-ce que vous avez toujours joué à Saint-Jean-de-Luz? Non, j'ai joué à Niort, j'ai démarré à Niort justement. Ensuite, je suis parti pour Morlas. J'ai joué 2 ans et 4 ans au long. Merci. C'est ma troisième année à Saint-Jean. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Bonjour. Allez, deux mots pour Infogarage. Bonjour, comment vous appelez? David. David, David. Parlez-nous un peu ce match aujourd'hui. Un gros match à faire à la maison face à une très belle équipe d'Ajax. Sinon, quel poste vous jouez? Je suis entraîneur. Ah, je suis d'accord. Entraîneur avec Serge. Ah, d'accord. C'est moi qui entraîne les trois. Ah, d'accord, merci beaucoup. Bonjour. Allez, deux mots pour Infogarage. Bonjour, comment vous appelez? Quel poste vous jouez? Parlez-nous un peu de ce match contre Dax. Ouf, c'est très compliqué, je pense. Il y a quand même un jeu. D'accord, merci beaucoup. Bonjour.
Bonjour. Comment vous appelez? Allez, deux mots pour Info Garassi. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez? Bruno. Quel poste vous avez? Du milieu. Parlez-nous un peu de ce matin contre Garassi. C'est un match très important pour nous. Surtout que c'est à domicile, contre une grosse équipe de Garassi. Donc, on n'a pas le droit à l'erreur. Vous avez toujours joué à Saint-Jean-de-Luz, hein? C'était l'occasion de retrouver des anciens partenaires et de rester aussi géographiquement au Pays Basque. Vous pouvez dire quelques mots en basque? Ou Milesker? Milesker. Merci beaucoup. Bonjour, excusez-moi de vous couper. Comment vous appelez? Je m'appelle Pierre Payard. Yeah, parlez-nous de ce match contre Dax, on peut dire un derby, mais de voisins en fait. De voisins, oui, bah après c'est une équipe qu'on ne connaît pas trop. C'est un match important, quatrième journée. Ouais. Vous avez eu deux victoires. Deux à l'extérieur. Voilà, ouais, et vous êtes bien parti là. C'est ça. On a raté un peu le coche à Niort, mais là on peut vraiment lancer notre saison et ça peut être pas mal. Merci beaucoup. Bonjour. Comment vous appelez? On va tourner un peu parce qu'il y a pas assez de soleil. Dites-nous comment vous appelez. Je m'appelle Ivan. Ouais. Ivan, parlez-nous de match contre Dax aujourd'hui. Match très difficile. C'est un peu un tournant de la saison. Disons que si on le gagne, on se lance bien. Si on le perd, on perd des points offensifs. Donc, impératif de gagner. Imaginons qu'on voit Saint-Jean-de-Luz en Pro de 2 contre Bayonne Biarritz. Surtout cette année, vous faites une superbe saison, vous arrivez en demi-finale, finale. Bon, ce ne sont pas des objectifs. Moi, c'est marrant, mais ce n'est pas du tout à quoi on pense. Enfin, c'est pas, on sait que ce n'est pas possible, donc on pense surtout à un match qu'on a à faire cet après-midi, on verra après. Est-ce que vous avez toujours, quand vous étiez petit, vous avez fait des détections ou vous avez toujours resté ici jouer? Moi, je suis d'abord à Cambo, Campo à Biarritz, puis après je suis venu à Saint-Jean, là, ça fait 5 ans. Mais, voilà. On voit qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont tenté leur chance, et puis après, finalement, ils reviennent au village dans le petit club. Ouais, est-ce que c'est difficile pour percer? Oui, c'est difficile de passer dans le monde pro. Bon, même si on peut aller dans Bayonne Biarritz sans l'intention de devenir pro, mais de progresser, de jouer à un bon niveau, et puis après on revient dans notre club. Est-ce qu'il faut avoir le mental pour partir, parce qu'il y a les copains aussi, et puis on aime au Pays Basque ici? Ah oui, sûr qu'on est bien ici, il faut avoir envie de voyager, de bouger, il faut que ça ait une vraie envie pour y arriver, quoi. Sinon c'est bon. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Allez, deux mots pour Info Garassi. Comment vous appelez? Théophile. Parlez-nous de ce match aujourd'hui contre Dax. C'est le premier grand match à la maison, très important pour nous. Gagner, absolument. Quel poste vous jouez? Pilier. Est-ce que, comme les autres, vous avez joué ailleurs avant ou vous avez été toujours à Saint-Jean-de-Luz? J'étais à Cognac l'année dernière et je suis arrivé cette année à Saint-Jean-de-Luz. Est-ce que vous avez choisi de venir à Saint-Jean-de-Luz? Vous êtes d'ici? Comment ça se passe? On vous contacte? J'ai de la famille dans le coin et je voulais revenir par ici et Saint-Jean-de-Luz m'a proposé. Merci beaucoup. Merci. Comment vous appelez? Adrien, parlez-nous un peu de ce match contre Dax. Le contexte est quand même particulier parce qu'on cherche un match référent, c'est pas amusant. Je pense que si on est aussi bien, c'est ce qui marchera la saison pour avoir à peu près la même qualité que la saison dernière. C'est toujours une démarche positive. Et voilà. Prenez un peu là, vous êtes bien parti. Vous avez deux victoires, une défaite, et là il faut gagner contre Dax. Voilà, exactement. C'est une première très grosse opposition qui va nous donner la tendance à la température du groupe. Je pense que c'est à partir de là qu'on pourra voir ce qu'il faudra penser ensemble. Après, il faut qu'on mette l'intensité plus importante que ce qu'on a montré depuis le début. Merci, merci beaucoup. Merci. Bonjour Savi. Bonjour. Parlez-nous un peu ce match aujourd'hui.
soit à Daxa, à la maison. C'est une équipe qui descend de Pro S2 il y a deux ans, si je ne dis pas de bêtises, qui a pour ambition de remonter dès qu'ils le peuvent. Donc, ils ne sont pas passés loin l'année dernière, ils étaient qualifiés comme nous. Bah, ils ont chopé Rouen, et ils ne sont pas passés. Donc, aujourd'hui, ça va être un gros match. En plus, c'est vous le buteur tout le temps. C'est le copain. Hein. Donc, est-ce que c'est bien? Vous avez toujours joué à Saint-Denis ou vous avez tenté votre chance ailleurs? Non, j'ai commencé à vivre en Bayonne, parce que j'habitais là à l'époque. Mes parents habitaient là, donc j'ai commencé là. Ensuite, je suis passé par Tarbes, parce que j'ai fait mes études là-bas. Et je suis revenu pour pouvoir jouer avec mon frère Saint-Denis. Est-ce que c'est important la famille? De jouer avec son frère ou de rester dans la région? Je pense que oui. Je peux pas dire le contraire. Comme on est qu'il m'a fait des bonnes choses sur le peu d'années où j'ai pu jouer avec mon frère. Donc, aussi, oui. Ça permet d'avoir une autre motivation et d'autres liens aussi. Qu'est-ce qu'en dehors du rugby, qu'est-ce que vous faites? Vous écoutez la musique, vous allez au théâtre, vous faites autre chose? Ouais, j'écoute un peu la musique, oui. Ouais, j'aime bien chanter dans la voiture, des trucs comme ça. Le théâtre, pas trop, non. Alors, vous pouvez dire Mlesker? Comment? Vous pouvez dire merci Mlesker? Ah, Mlesker. Merci beaucoup. Si vous faites bonjour, c'est quoi? C'est vous protéger les talons? Non, c'est juste pour protéger l'entorse de cheville, pour faire du petit strap pour lui maintenir la cheville. D'accord, merci. Merci. Surrounds me. If we hold ourselves together, we'll go far. Created a space. In my head it was empty, but I know that I want to be where you are. I was denied. I had spent and that's denied.
there and I used to be very happy cozy. Voilà, alors si vous voulez bien, vous donnez 2 euros, vous faites votre petit pronostic et ça va financer leur voyage de fin d'année, de fin de saison. Alors merci pour votre participation, merci de les accueillir, merci à vous tous. Et de suite, numéro 14, et après numéro 15, 4 de numéro 4 seront numéro 16, c'est Blancu. Numéro 17, là. Numéro 18, Tantu. Numéro 19, Yas. Numéro 20, Capulet. Numéro 21, Carouchet. Numéro 22, Delé. Et enfin, numéro 23. Voilà mon truc. Même le tatou, j'en ai même un prochain.
Bonjour. Je suis Pedro Corrieta, je suis un des co-présidents du Saint-Jean-de-Luz Olympique. Et voilà, on s'apprête à affronter l'US Dax en match de championnat aujourd'hui. D'accord, parlez-nous de ce club qui est super bien, qui est tout le temps en Fédéral 1 par rapport aux autres clubs à côté ici. Comment vous faites pour se maintenir chaque année, même jouer les phases finales? Écoutez, nous, on est en place maintenant depuis, c'est la quatrième année. On a essayé d'instaurer certains fonctionnements avec, disons, un certain état d'esprit. On a réussi à avoir un bon groupe de joueurs qu'on essaie de garder chaque année. Il semblerait que la recette fonctionne, on a des bons résultats. Bon, on se définit comme un club amateur. Hein. Tous nos joueurs ont un travail en dehors du rugby. Bon, voilà, on fonctionne avec la formation locale et des jeunes issus des alentours, plus deux ou trois autres joueurs qui viennent d'ailleurs. Est-ce que c'est difficile la Fédérale? On voit que certains clubs au niveau du budget ils sont dessus. Ils ont même, je crois, certains joueurs sont payés. On ne va pas dire que c'est qu'ils viennent d'ailleurs. Est-ce que c'est difficile de se tenir comme ça? Mais par rapport aux autres? Nous, en termes de budget, c'est 760 000 euros. Donc pour bien vivre à ce niveau, c'est à peine suffisant. Quoi. C'est difficile parce que chaque année, on rencontre des clubs qui se structurent autrement et qui prennent des joueurs sous contrat. Donc bon, je ne vais pas dire que nos jours sont comptés à ce niveau, mais c'est dur. Quoi. Chaque année, c'est un nouveau combat qui commence. Est-ce que vous avez des sponsors qui vous aident? Comment ça se passe? Ah, bien sûr, on est aidé par d'abord notre mairie, et ensuite il y a beaucoup d'autres sponsors. Et, on ne va pas en citer certains plus que d'autres, mais bon, on est aidé, oui, heureusement qu'on a ces gens-là qui nous soutiennent. D'accord, pour finir, vous pouvez nous dire quelques mots en basque ou milesker? Je vais parler de toi, bon, Alassane Midesker et Torce Agatik est à Andoshegi Info Garasilekine. Milesker à vous et merci beaucoup au fond du cœur. Adieu. Adieu. Thank you.
parler de ce match pour faire la peine. Et on s'est fait plaisir, tu vois. Une condition un peu difficile parce qu'il a plu, on n'a pas pu aller au bout de ce qu'on voulait faire. Mais on s'est fait plaisir, et ça c'est top. Vous qui avez connu le haut niveau champion de France, maintenant en Pétraline, parlez-nous un peu, est-ce que c'est la même chose? C'est du partage, c'est du partage. Aujourd'hui, tu vois que notre équipe, elle lâche rien. C'était compliqué parce qu'on rend 10 kilos presque à tous les joueurs. Voilà, on est cohérent dans ce qu'on fait, mais c'était compliqué physiquement parce qu'on subit beaucoup, on subit beaucoup. Donc il faut être rigoureux dans ce qu'on fait. Défensivement, on a été très rigoureux. Même si on a subi, même si on a pris un essai parce qu'on subit trop. Mais c'est bien parce que les gars, ils le font ensemble. C'est l'équipe qui est au-dessus de tout. Là. Nous, on n'a pas un joueur meilleur que l'autre. C'est l'équipe qui est au-dessus de tout, mais ça c'est fabuleux. C'est ça qui est intéressant. Merci beaucoup. C'est moi. C'est moi d'être venu. Merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup.